Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de ma Fender Stratocaster, un modèle sorti des usines californiennes de la marque en 2003 et qui a subi plusieurs modifications, notamment un changement de manche. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'un modèle Partcaster. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon de cet instrument avec des exemples audio à l'appui. C'est parti! Le corps et l'électronique de cette guitare sont ceux d'un modèle Highway 1 de 2003. Pour rappel, cette série fabriquée aux États-Unis a été proposée au catalogue de la marque entre 2002 et 2006 et il mélangeait des éléments vintage et modernes. Le corps en aulne reçoit une finition de type au nez blonde et comme vous pouvez le voir, il arbore un reliquage qui est à la fois dû à l'épreuve du temps mais qui a également été travaillé ici et là par moi-même. Si je retourne l'instrument, vous pouvez voir que j'ai ôté la plaque arrière car ça facilite l'accès au bloc de vibrato pour le changement de corde. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire sur mes Stratocaster. Et au passage, vous distinguez que le trémolo est maintenu par trois ressorts parallèles. Et donc au niveau du réglage, si je m'amuse à tirer la tige de vibrato, je vais avoir grosso modo un intervalle d'un demi-ton. Côté électronique, les micros sont ceux d'origine, ce sont des vintage style. Le tone numéro 1 agit sur le micro grave. Et le tone numéro 2 agit sur le micro central. Au chapitre des modifications qui ont été faites sur cette guitare, la principale, c'est celle qui concerne le manche. Un manche de la marque Warmoth que j'ai acheté en 2014 et qui a cette tête inversée qui est à la fois un clin d'œil à Jimi Hendrix, mais esthétiquement, ça marche vraiment bien d'avoir les mécaniques qui pointent vers le sol et cette corne qui pointe vers le ciel. Il me semble que ça apporte un équilibre visuel qui marche vraiment super bien. Comme tous les manches Warmoth, il m'a été livré vierge de marque et c'est la raison pour laquelle le décalcomanie Fender, que j'ai apposé dans un second temps donc, se reflète plus que s'il ne s'agissait d'une réalisation fenderienne officielle. Au chapitre des mécaniques, j'ai apposé des Goto vintage pour remplacer les anciennes qui étaient modernes et qui ne correspondaient pas franchement à l'esthétique que je souhaitais donner à cet instrument. Le manche est un SRV et dans sa découpe, il est asymétrique, c'est-à-dire légèrement plus épais du côté du pouce et cela offre une prise en main plus confortable au niveau de la peau, mais ça correspond bien au type de musique que j'aime faire sur cette guitare. Et enfin, le manche accueille une touche en palissandre avec des repères type dot en acre. Thank you.
Le second changement que j'ai opéré sur cette guitare concerne l'accastillage que j'ai intégralement changé pour obtenir une finition gold. Ça va des mécaniques au bloc de vibrato, à l'embase jack et jusqu'aux vis. Il y a simplement un élément qui n'a pas été changé, qui est celui d'origine, c'est la plaque de fixation qui relie le corps et le manche. Voilà pour la présentation générale de cette guitare. En complément, je peux vous dire que j'utilise des médiators de type heavy principalement et que les cordes sont des tirants 10-46. Et avant de vous dire au revoir, une petite anecdote pour vous dire que cette guitare a été jouée par deux grands noms de la guitare blues. Le premier, c'est Kenny Wayne Shepherd et l'autre, c'est Doyle Bramhall. Et à chaque fois, ça a eu lieu dans un cadre de session pour le magazine Guitar Part avec lequel j'ai travaillé pendant de longues années. Et bien voilà les amis pour cette présentation de ma Fender Stratocaster, Partcaster, Custom, vous l'appelez comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, je vous invite à laisser un petit commentaire juste en dessous, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et pour soutenir la chaîne, et bien il y a le Tipeee, le lien est précisé dans la description juste en dessous. Allez, à très vite, vive la guitare, vive le blues. Ciao les amis.